Jirekai et on se retrouve sur E4 avec les Ming. Donc la dernière fois on avait libéré le pays de Galles. Le Zedman quitte la coalition. Oh, regardez-moi ça, c'est beau ça. C'est qui la coalition contre moi? Tlemcen et compagnie, c'est tout? Je sais, c'est un truc. Est-ce que je peux déclarer la guerre à l'Andalousie? Et tout le monde qui viennent, merde. Bon. La dernière fois, je rappelle, j'avais quitté. Je vais rager plutôt. Parce que j'ai fait exprès. J'ai mis l'Andalousie en co-belligérant et du coup, ça avait fait appel à l'Ottoman. L'Andalousie, le problème, c'est que si j'ai la guerre, pourquoi est-ce que l'Ottoman vient? Défenseur de la foi. Or, le problème, c'est que l'Ottoman, ben, si j'ai la guerre à celui-là, évidemment, il vient pas. Vous savez quoi? On va taper sur Andalousie comme ça en scred. J'ai plus de expansion après tout, hein. Je suis tranquille. Bien. Allez, bim, on va venir là. Pendant ce temps-là, ma flotte, elle est où? Oui, bah grosse grosse flotte. Tu veux venir là toi? L'entrée avec l'Angleterre. C'est quoi l'entrée avec l'Angleterre déjà? Ça fait chier avec vous. 1811. Oh, intéressant. Ah, évidemment, ils n'osent pas sortir là, je comprends pas pourquoi. Il a plus de choper, je m'en moque un peu là. Je vais voir si je peux m'arraver l'armée. Tout le monde, je veux dire que j'ai un peu rien à faire là. Je vais prendre l'armée qui se trouve ici et je vais débarquer sur Tlemcen. Et vu que j'ai un général 3 étoiles qui se déplace en mode téléportation magique. Donc 45 000 hommes, ouf, ah oui, c'est un peu gros quand même. Ce que je vais faire, c'est que j'ai d'abord cette vieille Andalousie de la guerre, et après je taperai sur le Tlemcen. Enfin, je vais essayer de prendre des trucs ici. Qui tape un prétendant de l'Aragon, lui. Occupe les provinces, si tu veux, occupe les provinces, mon gars, fais-toi plaise. Le temps que tu finisses au siège, moi j'aurai largement le temps de faire les miens. Bizarre que les tourments soient pas venus. Hein. Là, les tourments viennent pas, c'est étrange. Est-ce que mes alliés vont faire des débarquements de flotte ou pas? Ce serait épique qu'ils fassent des débarquements, mes alliés. Aladna s'est occupé, parfait. On a 21% de score de guerre pour l'autre. Est-ce qu'on va prendre. Bah. On a réussi à prendre de Tolède. Coucou. Oh, c'est à quoi ils vont plus? Oh la vache, ça fait tellement mal. Et produit de l'or, très bien. On va continuer les sièges tranquillement, hein. Je veux dire, là le but de l'événement jusqu'à la fin de la partie, ça va être d'imposer une domination le plus longtemps possible, le plus loin possible. Population aragonaise, elle va récupérer les terres là, c'est pratique. Elle est là, la capitale, Cordoba. C'est quoi un peu fort? Vraiment dommage.
Mais quand t'as une capitale, tu mets au moins force à la capitale, couillon. Bon, il est encore en Evil Andalousie, là, il commence à avoir un peu. Je pense qu'il commence à souffrir un peu. Moins 16. Faut oublier qu'il y a quand même énormément de terre ici, le machin, Andalousie. Bon, je pourrais pas prendre les îles là, Madère, non. J'ai pas la forteresse, ni les Canaries. J'essaie de faire relâcher les terres. Hein. La capitale est. Ah, Lisbonne est tombée. Bonne nouvelle. On va prendre comme Gibraltar, enfin Jabaltarik plutôt, comme il l'appelle. C'est pouilleux. Faites chier avec votre. J'occupe le machin, j'occupe truc. Voilà, on a pris Garnata. On va essayer de prendre Gibraltar maintenant. Une fois que j'aurai fait l'Andalousie, je m'occuperai à fond de Tlemcen. Hein. Tlemcen c'est occupé par mes vassaux qui y vont. Bonne nouvelle. Eh mais j'avais même pas besoin de m'occuper de Tlemcen. Oh la honte. Bon, et après bah, je me refais là les. Merde, comment ça s'appelle? Les idées botaniques. L'Aragon m'insulte? Aragon, tu sais quand t'es en train ou pas avec moi là? 1114. T'inquiète pas, une fois que je me suis fait les Anglais, je te finis l'Aragon, promis. Eux ils galèrent, moins 45, moins 49. On assiège ici Algarve. Shilb Faro Chaga Chagas. Non, non, ça je vais pas la faire celle-ci, non, je suis désolé. J'ai trop le point là. On va claquer les points. Je vais garder mes points pour une très simple, c'est que d'ici peu j'aurai besoin de corer des trucs. C'est la première fois que j'investis aussi massivement dans des. Bah dans les. Dans le développement. En général, je fais quasiment jamais ce truc là. Mais là, parce que j'ai jamais eu énormément de points d'avance. Très avec Crosby Flan est fini. Bonne nouvelle. Le Pays de Galles est fini. Oui, le Pays de Galles c'est mon tributaire. Oh, mais la Suède elle a l'air de prendre cher là, la pauvre. Parce qu'on y arrive plutôt, je veux dire. Bonne nouvelle. La Lettonie que ça reprend des terres contre l'Ottoman. Murcia. Ouais, on file de l'aide. 3000 ducats, c'est rien pour moi. Je suis tellement riche que. Occuper ça. Je fais en sorte que l'Aragon puisse pas récupérer terre non plus, je vais pas faire l'Aragon. Il est en guerre? Non, il est plus en guerre. Une fois que j'ai viré l'Andalousie, je rapatrie une armée au moins en Rosbiflande. La Grande-Bretagne s'est occupée par les Ottomans. Ce qu'il faudrait serait que la Grande-Bretagne refile des bleds à. À comment dire, quoi ça s'appelle? À la Bourgogne, ce serait pratique ça.
Je vais essayer de m'étendre un petit peu par là, hein, parce que pour tout, il y a plus grand chose où on peut s'étendre. J'aimerais refaire un Éthiopie ici vassal et rendre tout ça au Yémen pour qu'ils fondent l'Arabie. Tant que là, t'as l'Arabie en vassal. Térol est tombé, bonne nouvelle. Rapatrie une armée gentiment. D'où venez-vous? C'est passé quoi? Il se sort d'où ces trucs-là? Particulariste, d'accord. Mais je vais vous virer, les gars. Je joue pas chez moi là. Andalousie est faible. Ah, c'est temporel. Elle s'est pris une guerre de qui? Qu'est-ce que déclare la guerre dans le dos là? Jolof est quand même bon, tu m'étonnes que les gars en profitent. Ah, mais ils ont raison, hein! Ils peuvent user ce pays à la con. Ils ont raison! Après, je fonce, une fois que j'ai pris Gibraltar, je fonce vers Fès. Et Marrakech. Attendez, pour eux, tous ces cons. Et puis j'envoie ici les armées. Mais voilà, Gibraltar est tombé. Fès et Marrakech. Voilà, c'est. Tu viens là, toi. Pourquoi c'est très bien ça. La guerre se passe plutôt bien, je peux pas vous mentir. Hein. Oh, Andalousie là. Ah, les grosses Andalousie, oui. Elle parle assez très longtemps. Je fais exprès de durer la guerre ici pour pouvoir ben, justement que les autres ici puissent pousser. Si tu veux restituer la province à. Ça c'est. Ça c'est. Ah non, il peut pas le redonner. Ah si, la Catalogne peut rendre ça. Il peut rendre ça la Catalogne. Tu veux pas? Et libérer Ayr, c'est où Ayr? Non. Moins 49, c'est une blague. On est à peine à 20 d'écart. Il me dit supérieur au score de guerre, moins 100. Les Anglais sont en train de se faire défoncer. Pologne déclare la guerre à Riga. Sur la Pologne, c'est à moi alors, du coup, bah. Ils font chier là. Vous pouvez pas taper l'Ottoman là? En fait, toi l'anglais. Je comprends pas pourquoi ce qu'on fait de oui, c'est chiant ça. La Pologne, je vais demander un truc. Moi, j'ai une idée. Je veux que tu pètes ton alliance avec la Pologne. Donc, comme la musique, plus de mandats. D'ailleurs, moi, je voudrais être en trêve avec les Anglais normalement pour 5 ans. C'est comme 823. 10 ans! Mais merde. Est-ce que je pourrais dépouiller la Grande-Bretagne? Je ne sais pas, je suis pas sûr. Est-ce que j'éclaire que je n'ai rien à foutre des Anglais et de la trêve que j'y vais?
Si je fais la guerre à Hambourg, je me tape Memmingen et compagnie. Ah, Brandebourg. Si je déclare la guerre à Memmingen. C'est du monde, hein. Ah, il faudra que. Ouais, bah, j'ai tout moyen là. Hein. Bon, tant pis. Il n'y aura pas d'invasion de l'Angleterre, cette partie-là, enfin d'achèvement de l'Angleterre. Bim. On a colonisé Ehe. Oh 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 oh. Aha, oh oh. Donc là on va pouvoir coloniser ceci. Après comme ça je pourrais foncer vers Luanga et puis vers Bemba sur deux directions à la fois. Ce sera pratique. Delhi versus Kiva. Bon bah moi ça me déverse la petite merde qui se trouve ici. Par contre le Perse a bien pris cher quand même hein, dans la dernière guerre et bon c'est le Bengale aussi qui a bien grossi. Des... Il est là! Son armée est là! Le gars je vous rappelle qu'il se fait envahir. Il se fait envahir par Kaemmbornou. J'envahis ici et il envoie une armée qui se bat dans la Sibérie. Mais va te faire foutre l'IA. Tu pues la honte. Je vais essayer de pourrir l'armée de Togurt là. Particulariste là, on va essayer de les faire tomber avant que Lisbonne soit perdue. Ah, je peux défoncer l'Aragon. C'est quoi? Donne-leur ce qu'ils veulent, voilà, on va leur dire qu'on va leur donner des trucs alors que c'est pas vrai. Fès est tombé. Bonne nouvelle! Et Marrakech, tu veux faire tomber Marrakech là ou tu acceptes de te rendre Marrakech? Et voilà! Andalousie, on l'a chassé. Du coup, ça fait un truc très intéressant. Ça fait que je peux dire. Bon, bah. Je vais corer tout ça. Catalogne a récupéré la province là. Les îles ici, on va leur dire je vous montre votre autonomie à fond, comme ça vous êtes content, vous saoulez pas. Quant à l'Andalousie là, elle est complètement vulnérable. Kaemmbornou va pouvoir l'achever là, faire plaisir à mort. Et est-ce qu'on va se faire une invasion de l'Aragon, passage, histoire d'achever le nord de la péninsule ibérique. Histoire de se dire que voilà, l'Empire Ming contrôlera une partie de l'Espagne. Bonjour l'Aragon. Tu as des trucs qui m'appartiennent. Impérialisme, prends les Pyrénées. Bonjour. Quand j'aurai pris les Pyrénées, je suis assuré que les provinces sera très facile puisqu'il n'y aura plus rien. On va le choper son armée, vous allez voir, regardez, on va rire. Puis suite déjà. Il est déjà en faible. Parce que vu qu'on lui siège sa capitale, qu'il n'y a plus d'armée, et qu'il y a des rebelles, il se dit déjà je suis en faible. Aix-la-Chapelle dans une coalition. Ils ont pas peur les mecs. Hein. Alors tous les petits pays de merde d'Allemagne là. Ah, l'Ottoman Grande-Bretagne rejoint. Mais attendez. Ah oui, c'est vrai, je peux pas déclarer la guerre à la Grande-Bretagne, mais eux peuvent déclarer la guerre. C'est asymétrique là. J'aurais tellement dû faire la péter la gueule et dire j'ai rien à foutre de la Pologne. Ça fait plaisir à voir, les hommes accourent sous les drapeaux. Bon, Tlemcen, je pique ce morceau là, et après ce que je fais, c'est que je lui dis tu relâches les provinces avec. À Tunis. Que ça se connaît la vie. Révolutionnaire, toujours avec l'Ottoman. Ça fait quand même beaucoup de monde. En fait, en gros, ce qui compte le Ming, c'est la plupart des autres nations encore indépendantes. Voilà, c'est les. En fait, le monde indépendant, c'est-à-dire c'est coalisé contre le Ming. Voilà. Je pense que c'est. Il n'y a pas plus clair. Hein. Le monde indépendant est coalisé contre l'Empire Ming.
Donc en gros, c'est une guerre, ce sera le Ming contre le reste du monde. Et je suis pas sûr qu'ils aient à gagner les couillons en face, hein. Encouragement des officiers. Tant qu'à faire, hein. L'Autriche a rejoint une coalition, vous allez voir. Bon, mais terminé. Ah non, ils rejoignent pas la coalition parce qu'ils sont déjà en guerre avec d'autres pays. Oh, la bosse s'est bouffée. Oh la vache, la haine qu'ils doivent avoir, les bohémiens. Indépendance garantie par la Scandinavie et l'Autriche. C'est des mecs qui se disent on va lui garder son indépendance jusqu'à ce qu'on puisse lui casser la gueule. Pas sécuritaire marocain, qu'est-ce qu'ils foutent là, c'est con. Dites pas qu'on va faire le tour jusque le. Ah si. Où la capitale en fait? Biskra. Bah, c'est Biskra la capitale. Je comprends pas pourquoi ils ont dit on va la reprendre. Moi je vais les pourrir, après j'essaie de récupérer Djerba. Bim, c'est à quoi hype? J'essaie de poursuivre, vous allez voir. Au moins leur marave une armée là, histoire de gagner un peu de score de guerre. Voilà, score de guerre, puis je sais pas combien. On est à 92%, pas à peine de s'embêter que Djerba. Donc déjà, premièrement, ce que tu fais, c'est que tu rends les provinces à Tunisie. Boum, voilà. C'est fait. Quitte versus Aragon, nationalisme. Après Saragosse. Ah oui, j'ai pas non plus que l'autre le fasse exprès de m'emmerder, hein, qui me dépasse. On va renvoyer les canons pour faire finir le siège. Tu veux où toi? Je viens ici comme pour le pourrir. On prend ça quand même histoire de. Voilà, d'être tranquille un petit peu au moment. Quel barbare! Ah, je les ai pourris mon canon par ces couillons là. Victoire! Youhou! Quel tu fais chier? Quoique, je veux dire, Catalogne, si tu libères le Portugal. Ouais, ça va être très simple. Je crois que t'as pas compris, je prends tout. Et toute ta thune. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont se dire, je prends ça, ou ils vont se dire, je laisse tomber? Et je fais une pépette. On va voir. Ou alors, est-ce que vous vous dites, je libère le Portugal? Si tu libères le Portugal, mon gars, moi je te dis. Bonne chance, j'y vais. Ah bah voilà, regardez ce qu'il a fait ce con. Il a libéré le Portugal. Ah, ah. Sauf que je vais pas m'emmerder à tributer le Portugais, merde. Pauvre Portugal qui a rien compris. Bonjour, je suis le Portugal, je suis indépendant. Non, 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 je t'explique. Bonjour, je suis Portugal. Vous voir, c'est la guerre la plus courte que j'ai jamais fait là, vous allez voir. Celle-ci, j'arrive, boum. Et voilà, c'est 53 jours de guerre. Contre le ciel, je veux dire.
Et on est le 7 avril 1816, donc 7 avril. Et cette très belle victoire, voilà. Enfin, victoire, non, c'est pathétique, voilà, on a gagné vraiment de manière moche. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Moi, je dis à la prochaine, salut tout le monde.